C'est tout des bitches. Ah là 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 là. Vraiment, c'est abusé, ça. Vraiment, ouais. Ah là 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 là. C'est du n'importe quoi, tout ça. De toute façon, moi, j'en ai marre. Vraiment, là. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner. Tu le sais très bien, les gars. Faut s'abonner, les gars. Alors, pourquoi tu veux pas t'abonner? Pourquoi t'abonner? Fais le mec. Arrête. Un petit peu là. Abonne-toi. Clique sur la cloche. Voilà. Là, on est bon. Là, on est bon, les gars. Ici, c'est Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, ok, créer ta vie sur mesure, être libre. Les gars, faut reprendre notre liberté parce que là, ça part en sucette, j'ai envie de te dire. Et pour ça, il faut de l'argent. Ah oui, bah, c'est le nerf de la guerre. Hein. Tu pourras faire tout ce que tu veux. C'est le nerf de la guerre. Il faut de l'argent. Et du coup, ça tombe bien, les gars. J'ai une étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20K en une semaine. Okay, je te montre le produit que j'ai vendu, le marketing, les stratégies, comment j'ai automatisé derrière. Je te montre tout. Okay, c'est pas parce que c'est gratuit, les gars, que c'est offert que ça veut dire que genre c'est n'importe quoi, c'est des trucs vite fait. Non, je te montre vraiment tout. Okay, donc les gars, arrêtez de bégayer. T'as fait 20K ou pas? Donc prends. Tu l'as déjà entendu, la vidéo précédente, je te l'ai dit, tu l'as pas prise. Pourquoi tu prends pas? C'est ça le truc. C'est le gars, tu résistes. Qu'est-ce que tu dis dans ta tête en fait? Qu'est-ce que tu dis dans ta tête? Non! Alors oui, c'est vrai, tu dois voir mettre ton mail. Ouais, c'est vrai. Mais à tout moment, et du coup, tu seras dans la mailing list. Évidemment qu'à tout moment, bah, tu pourras juste. Quand tu reçois mon mail, si tu veux te barrer, tu as juste à mettre se désabonner. C'est écrit se désabonner. C'est écrit en gros. Bah, tu peux pas le rater, c'est en bas de l'email. Tu n'as plus se désabonner. Et comme ça, on est bon. Moi, ça ne m'intéresse pas que tu sois dans ma mailing list si jamais tu veux pas que je t'envoie de mail. C'est cool, moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, ceux qui sont là, je leur envoie des mails, là, je raconte ma life un petit peu, boum. Voilà, évidemment, je leur propose des choses qui vont pouvoir les aider à aller encore plus loin. Hein. En fait, tous les gens qui sont déterminés, à un moment donné, il va falloir investir en vous. Hein. Donc déjà, là, c'est gratuit, les gars, c'est offert. Profites-en, tu n'as jamais fait 20K. Donc les gars, à un moment donné, il faut y aller. Donc, et les gars, pas d'excuses, j'ai grandi à Évry dans 4 ans, j'ai redoublé mon BEP. J'ai grandi dans le quartier des pyramides, ok? Et pourtant, voilà, j'ai juste mis mes couronnes, ok? Bonhomme, hein? À un moment donné, les gars, il va falloir que je compte sur vous pour faire remonter le taux de testostérone vers le haut. Parce que là, il faut arrêter maintenant. Les hommes, là, oui, soyez féminins, soyez plus féminins. Laissez-vous montrer, soyez des bonhommes, les gars. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Hein. Que le mâle revienne un petit peu. On voit plus, on les voit plus, les gars. Ils sont où? Ils se teignent les cheveux en violet, en jaune. Pff, les gars, soyez des hommes, les gars. Et passons directement sur le sujet de la vidéo. Ça n'avait rien à voir, soyez des hommes. C'est cadeau, les gars. Pourquoi t'es énervé? Pourquoi t'es énervé? Les gars, ils sont énervés, les gars. Pourquoi vous êtes énervés, les gars? Calme-toi un petit peu, Gérard. Et là, tu te dis, ouais, mais de quoi tu parles? Qui est énervé de quoi? Qu'est-ce qu'il a, Gérard? Non, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que Gérard, il est vénère. Il est vénère parce qu'il n'a pas de succès auprès des femmes. Ou en tout cas, il ne rencontre pas le succès qu'il aurait voulu avec les femmes qu'il désire. Et donc, du coup, il est vénère. Et donc, du coup, il regarde des vidéos Red Pill. Et dit, ouais, c'est vrai, c'est toutes des bitches. Ah là 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 là, vraiment, c'est abusé ça. Vraiment, ouais. Ah là 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 là, c'est du n'importe quoi tout ça. De toute façon, moi j'en ai marre. Vraiment là. Donc les gars, après, ils sont vénères. Ils sont vénères, les gars, calmez-vous. Ouais, de toute façon, elles veulent que des gars qui sont riches. J'en étais sûr. Ah là là, que des gars qui sont grands. Ah, j'en étais sûr aussi. Ah là là là. Calme-toi un petit peu. Donc pourquoi t'es énervé? T'es énervé pourquoi en vérité? T'es énervé, mais là, c'est. En fait, tu as ce que tu mérites. Ah ouais, c'est dur de l'entendre, mais à un moment donné. Ok, t'as pas de soucis que tu veux avec les femmes, ok. Mais c'est normal, qu'est-ce que t'as accompli dans ta vie, Gérard? Qu'est-ce que t'as accompli? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as fait de ta vie en fait? Tu regardes la télé toute la journée, t'es sur Netflix, tu bois des bières avec des chips et des pop-corn, tu joues aux jeux vidéo, voilà tes journées, voilà les dernières 24 heures. Comment tu veux avoir du succès avec les femmes? Hein, le critère de ouais, être gentille. Hein, parce que oui, évidemment, les femmes ne te disent pas exactement ce qu'a recherché l'homme. Tu vois, c'est rare. Hein, elles vont te dire oui, il faut qu'il soit gentil, attentionné, etc. Tous les bêta et tous les gars de la friend zone, okay, ils sont au courant que ça ne fonctionne pas. Hein, être gentil, être attentionné, être à l'écoute. Hein, ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionnait, les gars, tous les gars de la friend zone, ils seraient pas dans la friend zone. Ce qui attire une femme, c'est un homme qui accomplit des choses, qui fait des choses. Okay. Et du coup, ça se matérialise bah, d'une part par l'argent, oui, c'est vrai aussi, mais le pilier, c'est pas le pilier suffisant. Parce que des fois, ils disent, ouais, c'est juste l'argent. Non, l'argent, ça suffit pas, les gars. C'est pas. Hein, j'ai fait une vidéo sur PJ Washington, il s'est pris une banane, et pourtant, il est multimillionnaire. Okay. Ça n'a rien à voir, l'argent. Enfin,
ce n'est pas le pilier principal, il y a les autres. Ok ? Être un alpha, c'est dans l'état d'esprit. Accomplir des choses, faire des choses, évoluer, chercher l'excellence. Ok ? Augmenter son statut, être bien physiquement. Ok ? Tout ça va ensemble. Si jamais tu enlèves un des piliers, ça va. C'est comme si il te manque c'est une chaise, il y a quatre pieds. C'est comme s'il en manque une. C'est un peu tu tiens, mais donc tu pourras jamais changer la biologie. J'y suis pour rien. On y est pour rien. Les femmes sont attirées par certaines choses. Les hommes sont attirés par certaines choses. C'est un débat et c'est fou comment les gens ils sont comment dire super émotionnels sur tout ce qui est homme-femme. À un moment donné, il faut juste accepter les choses comme elles sont. Et tu ne pourras pas changer un homme comme un homme ne pourra pas changer une femme. On fonctionne d'une certaine manière. Autant avoir les informations et les accepter et agir en fonction. Et s'améliorer pour pouvoir avoir le résultat que tu veux avoir. Ça me rappelle l'histoire d'un gars genre, que j'ai entendu. Le gars, en fait, il vendait les voitures. Et en fait, il voyait un gars qui était petit, trapu, qui n'était aucun flow, tout ça, machin. Okay, et qui venait chercher à chaque fois une nouvelle voiture, une voiture de luxe, etc. Et à chaque fois, il était avec une belle femme jeune, différente, tu vois. Et là, il y a des gars qui vont dire « Ouais, mais c'est juste pour son argent qu'elle a avec elle. » Mais ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire par là, en fait ?« Ouais, non, mais en fait, elle l'use. Elle est en train de juste l'utiliser juste pour son argent. » Ouais, mais en fait, à ce moment-là, j'ai envie de te dire bah, le gars, il est en train d'utiliser juste pour... il est en train de l'utiliser, elle, juste pour sa beauté. Donc, où est-ce que tu veux en venir, en fait? Où est-ce que tu veux en venir? Alors, je sais que c'est pas sexy, c'est pas... Non, c'est pas que c'est pas sexy, c'est pas romantique, c'est pas romancé. Ah ouais, c'est genre, tu vois les choses trop comme un deal, etc. C'est une réalité. Okay? Alors que les femmes, encore, le voient encore en mode comme ça, romance, tout est au hasard, etc. Il n'y a rien, il y a... voilà, c'est juste tout arrive par hasard. Non. Les femmes sont attirées par certaines catégories de gars et vice-versa. Donc oui, les gars, si vous travaillez sur vous, que vous soyez grand ou pas grand, ou etc., de tout ce qu'elles disent, si jamais vous travaillez sur vous, les gars, vous allez avoir le succès que vous voulez avoir. Déjà pour toi, personnellement, et en plus, après, du coup, ben, ça va aussi attirer tout le monde. Mais ça attire les femmes, ça attire les hommes aussi. Hein? Quand je dis ça attire les hommes, ça veut dire dans le sens où, genre, business, tout ça. Hein? Tu vois? Et moi, j'ai jamais vu un gars financièrement riche, qui est dans une belle voiture et qui attire du coup toutes les femmes et qui est malheureux. Parce que des fois, il va dire « Ouais, non, mais franchement, je veux de l'argent, mais tu n'es pas heureux. » Juste travaille sur toi. Arrête d'être énervé. Pourquoi tu t'énerves? Arrête, Gérard. À un moment donné, il va falloir arrêter de chialer. On est tous, en tant qu'homme, à zéro. Okay? À toi de voir à combien tu veux finir quand tu vas mourir. Donc, en résumé, fais ce qu'il a à faire dans cette putain de life. Fais ce que tu as à faire. Aie des objectifs, accomplis-toi, fais un business, travaille plus à ton taf, mais fais quelque chose. Okay? Fais-le pour toi, mais bon, même si je te le dis, tu vas toujours avoir un coin dans ta tête. Ah ouais, comme ça, j'aurais pu des meufs. Quelle que soit la motivation, mais fais quelque chose de ta life. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour tous les gars qui étaient vénères. Partage cette vidéo à tous les gars qui sont énervés. Vous ne pouvez pas changer les trucs. Il y a des gars qui disent « Ouais, non, mais n'importe quoi ce que tu dis. Ça serait si les femmes elles pensaient comme ça. Ça serait si jamais c'est ce qu'attiraient les femmes. N'importe quoi. Ah, mais tu galères. Tu galères avec les femmes. Arrête de mentir. Tu veux engrainer les autres gars dans ton délire, mais pour avoir quel résultat? Ou sinon, tu as des résultats sûrement, mais avec la femme que tu n'avais pas forcément envie d'avoir. Ou tu as juste abandonné, en fait. Tu vois, comme les gars qui disent « Ouais, ça ne m'intéresse pas d'être riche, c'est nul. C'est nul, ça se saurait si l'argent faisait le bonheur. » Voilà, ça, c'est des gars qui ont abandonné. Parce que derrière, ils jouent au loto. Donc, si jamais c'était si nul d'être riche, ils ne joueraient pas au loto. OK ? Donc, c'est juste des gars qui ont abandonné et après, ils trouvent des excuses. Bref, là, pour le coup, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche. OK ? Et... Cette formation va pouvoir te permettre d'atteindre les 5K par mois. Tu dis, mais comment ça se fait? C'est 100% financé, c'est pour ça. Okay? La formation est 100% financée par le CPF. Okay? Le CPF, c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement où tu cotises chaque année sur un compte CPF de l'argent. Okay? Donc ça, pour ça, pour que tu cotises, il faut que tu aies déjà travaillé, que tu travailles, que tu sois en intérim, que tu sois entrepreneur, que j'ai déjà dit intérim, chômage. À partir du moment où tu travaillais ou tu as travaillé, tu cotises, tu vois. Et donc, du coup, grâce à cet argent-là, tu peux investir dans des formations qui sont éligibles au CPF. Donc, Pirate Marketing, c'est éligible au CPF. OK, donc il y a quoi dans cette formation? Tu vas trouver un copywriter qui intervient. Il y a moi, il y a mon responsable d'agence, un expert comptable et commissaire au compte qui intervient pour la partie fiscalité. En gros, ça va te permettre de pouvoir atteindre 5K par mois, minimum.
ok, grâce à YouTube Money Machine qui est intégré dedans, ok, et Pirate Marketing, ok, pour pouvoir créer un business sur le long terme où tu vas pas faire faillite dans 5 ans, où tu es là à vie, ok. S'il y a un produit qui fonctionne pas, boum, tu vas juste changer de produit. Ok, donc je te partage tout ça dans Pirate Marketing. Tout est offert, ok, tout ce que tu as à faire. Alors tu dis ok, comment je peux y accéder, parce que le lien est dans les commentaires, ok, épinglé, tu vas accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche. Tu mets ton email et tu vas pouvoir accéder à le calendrier de Céline. Tu prends rendez-vous avec elle, elle va te dire si tu as du CPF ou pas. Donc voilà, si tu savais pas c'était quoi, elle va te dire, elle va voir si jamais tu as du CPF, et du coup après elle va te donner les accès à elle va faire le dossier et elle va te donner les accès à Pirate Marketing. Donc tu n'auras rien à faire. Donc du début du process là, du moment où tu regardes cette vidéo là, en quelques clics, tu peux déjà avoir accès à une formation qui va te permettre de pouvoir changer ta vie. Donc à toi de voir. Mais il y a des gens quand même qui vont trouver des excuses, comme d'hab quoi. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas ces gens-là. Croyance de ouf. Qu'est-ce qu'ils te disent? Ah mais il y a une arnaque. Arnaque de quoi? Tu sors jamais ta carte bleue. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp.